Good morning, allez, Iden et tu seras aujourd'hui l'Irfoua Tetel Myriam Léa bat Sarah, Chaya Rivka bat Léa, Sarah bat Nechama et Chana Léa bat Gitel Devora. Si vous souhaitez, vous aussi déjà une prochaine étude de Mishnah, contactez-le 5 minutes éternelles. Nous irons à Sechet Psachim, Perigemel Mishnah Delet. Rabban Gamliel Omer, Shalosh Nashim Lashot Ke Achat, Ve Ofot Betanur Echad, Zo Achar Zu. Vachachamim Omrim, Shalosh Nashim Oskot Babatzek, Achat Lasha. ואחת עורכת, ואחת עופה. רבי עקיבא אומר, לא כל הנשים, ולא כל העצים, ולא כל התנורים שווין. זה הכלל, תפח, תלטוש בצוננו. On a une Mishnah devant nous, qui va nous donner un petit peu des notions de combien de temps la pâte prend pour devenir, pour fermenter, pour devenir du chametz. Et on a comme ça une Mishnah qui nous dit, on parle en fait, Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel dit, Shalosh nashim lashot keacham. Trois femmes peuvent pétrir ensemble, ve'ofot betanur echad, et vont faire cuire leur matzot ensuite betanur echad dans un seul four, dans un même four, zo achar zo, une après l'autre. Soit Rabban Gamliel, il nous donne une notion de temps, qui est un peu indéfinie, comme la Mishnah va le dire ensuite d'ailleurs, que trois femmes, elles ont, si déjà elles vont pétrir en même temps, chacun vient préparer le pain pour sa famille, les matzot pour sa famille, avec chacun une quantité de quoi remplir entièrement le four. On met un plateau après l'autre. Moi, je mets le mien, après elle met le sien, et l'autre, elle met le sien, ensuite. Et en fait, Rabban Gamliel me dit, tu sais quoi? Il y a assez de temps pour que les trois femmes commencent à pétrir ensemble, elles vont ensuite étaler leurs pâtes, et elles vont les mettre au four. Et maintenant, quand elles vont les mettre au four, bien sûr, et elles sont trois, il n'y a la place que pour une seule, une met, ressort, l'autre rentre. Et ressort, et la troisième, elle a encore le temps de re-rentrer sa pâte, et ça ne va pas encore devenir du chametz. Il y a assez de temps pour que ça cuise, en fait, pour que les deux fournées vont cuire, sans que la troisième devienne chametz. Ça, c'est l'avis de Rabban Gamliel. C'est relativement flou, comme ce que Rabbi Akiva, à la fin de la Mishnah, il va le dire. Pour le moment, Chachamim, va Chachamim, on rime. Chachamim ne sont pas d'accord avec ça. C'est un peu trop, trop violent, quoi, de laisser une pâte comme ça, posée, sans travailler. Rami me dit, si tu veux que si les trois femmes veulent travailler ensemble, il faut qu'elles viennent, mais pas à la même heure. Elles commencent une un peu après l'autre. Comment on fait? Shalosh nashim oskot babatsek. Si tu veux, je t'organise pour que les trois femmes puissent être mit askot, peuvent s'occuper, peuvent travailler leurs pattes. Mais de quelle manière? Pas les trois aux mêmes étapes en même temps, c'est impossible de faire ça. Il faut achat lacha, vachat orechet, vachat ofa. Une pétrit, l'autre étale, et l'autre commence déjà à faire cuire. Soit elle démarre avec un petit décalage, il y a trois étapes. La première étape, c'est on pétrit la pâte. Deuxième étape, c'est qu'après on forme les matzot. Et troisième étape, c'est que maintenant on se dirige vers le four, on commence à travailler pour les faire rentrer une après l'autre. Je ne sais pas s'ils avaient un plateau ou s'ils les faisaient rentrer avec un bâton. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, ça revient au même. Il y a ici trois étapes. Elles se débrouillent pour être les trois. Elles peuvent travailler ensemble si elles veulent, mais pas à la même étape. Une, elle commence à pétrir. Quand une commence à pétrir, l'autre, elle est déjà passée à l'étape 2. En train d'étaler ses matzot, quand l'autre, elle est déjà à l'étape 3, en train de les faire cuire. Mais il n'est pas question qu'elles vont pétrir et qu'elles vont se pétrir, préparer leur matzot, et se mettre à attendre, il n'est pas question. Il faut travailler sans arrêt la pâte. Ça, c'est la vie de Chachamim. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva vient. En fait, le but de Rabbi Akiva, il est de nous dire que Rabban Gamliel, il a dit quelque chose de vraiment pas défini, parce que Lo kol anashim, velo kol haetzim, velo kol hatanurim shavim. Qu'est-ce que tu peux donner comme généralité et de dire les femmes vont travailler ensemble, elles vont pétrir, l'autre elle va attendre 2 minutes et oh, lo kol anashim, pas toutes les femmes sont les mêmes. Il y en a qui sont plus énergiques que d'autres. Velo kol haetzim, le mot shavim il est en facteur, qu'elles valent, qu'elles sont au même niveau. Pas toutes les femmes sont au même niveau, c'est-à-dire il y en a qui sont plus donc zélées et dynamiques que d'autres. Velo kol haetzim, mais pas tous les bois sont les mêmes. Il y a des bois qui cuisent mieux, ils sont plus secs, donc là, ils diffusent plus de chaleur. Il y a des bois qui sont plus humides, où ils diffusent moins de chaleur. Velo kol hatanurim shavim, mais même tous les fourneaux ne sont pas les mêmes. Il y a un fourneau qui va bien conserver la chaleur. En fait, il est en train de nous dire, Rabbi Akiva, il est en train de dire, Rabban Gamliel, de quoi tu parles, là, quand tu me dis que les trois femmes, elles peuvent attendre, et puis il y aura 7 ans. Il y a des fourneaux qui mettent 1 heure pour cuire. Il y a des femmes, tu dis, ouais, le temps qu'elle va pétrir et qu'elle va mettre son pain, et si elle est en train de dormir pendant qu'elle travaille. Alors que, c'est-à-dire, tu parles de quel type de femme? Si c'est une femme dynamique, peut-être que tu as raison, qui a assez de temps pour tout faire, mais sinon, ça ne va pas aller.
Et idem pour les fourneaux, donc il y a des fourneaux qui concentrent mieux la chaleur que d'autres, où il y a plus de pertes d'énergie. Donc finalement, en tout cas, la Mishnah continue en me disant, donc, Rabbi Akiva, il m'a dit, donc tu fais comme Chachamim, Vezea Klal, et telle est la généralité. Je te donne une généralité que tu dois faire attention. Tafar, si tu vois que la pâte, elle, commence à vouloir monter, je ne sais pas comment est-ce que concrètement il voyait ça à l'œil nu, c'est pas qu'il y avait, attention, la traduction de Tafar, c'est que ça a déjà gonflé. Le Bartanoura, il va nous dire, attention, Shalom, à Batsek Shebiada, Shero, il voit qu'elle a envie de commencer à monter, à lever. Mais c'est pas qu'elle a commencé à lever, parce que si elle a levé, c'est déjà trop tard. Donc Tafar, si, il sent qu'elle va commencer à lever, tout de suite, Tiltosh Betsonen, il l'a rafraîchi ou il a travaillé avec de l'eau froide. Le Bartanoura, il explique avec Tiltosh, le mot Litosh, je ne sais pas comment il se traduit cette fois-ci. L'iltosh, quelque chose, l'iltosh, c'est poncer. C'est pas le cas ici, c'est la même idée peut-être. C'est qu'en fait, elle doit prendre de mouiller sa main avec de l'eau froide pour refroidir la main si la main est chaude. Elle met Tsonen dans de l'eau froide et elle tape et elle la travaille, elle l'étale un peu plus sans arrêt en fait. Le principe, il est simple. Tant qu'on travaille une pâte, elle est censée ne pas fermenter. D'accord? C'est à notre époque, on limite dans le temps et on travaille sans arrêt. On ne s'arrête jamais de travailler pendant qu'on fait des matzot. Ça n'existe pas d'avoir fait. On est toujours là, elle est toujours là, on apprend, on la travaille. Elle n'est jamais tranquille. La pâte, on ne la laisse pas une seconde. Selon la Mishnah, apparemment, c'est. Bon, tu peux laisser la pâte quelques secondes, c'est pas grave, mais si tu sens qu'il va y avoir un problème, tout de suite tu vas refroidir, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov.